Salut! Aujourd'hui, nous allons parler du réseau. Un réseau informatique, qu'est-ce que c'est? Ou un réseau en lui-même, qu'est-ce que c'est? Un réseau, c'est à partir du moment où vous avez plusieurs machines reliées entre eux. C'est-à-dire que dans le cadre d'un réseau informatique, si vous voulez prendre l'exemple d'un réseau humain, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un et lui qui connaît quelqu'un d'autre et puis quelqu'un d'autre qui connaît quelqu'un d'autre et puis le réseau est mis en place. Donc vu qu'on avait parlé de Cisco Packet Tracer la dernière fois, donc on va poursuivre sur Cisco Packet Tracer, on va simuler ce que c'est un réseau. Donc pour ça, je vais lancer Cisco Packet Tracer qu'on avait installé la dernière fois. On arrive ici, il se lance. Donc on va se connecter normalement. Là, c'est-à-dire que si vous êtes étudiant ou vous êtes professionnel, vous savez comment créer un compte Cisco. Si vous êtes étudiant, vous aurez un administrateur qui va vous créer un compte que vous pouvez utiliser chez Networking Academy. Et puis bon, il y a plusieurs façons. Si vous êtes curieux ou curieuse, vous allez trouver une solution de vous créer un compte Cisco. Donc moi, je vais m'identifier avec mon compte. Vous n'allez pas voir, je vais le cacher bientôt. Vous mettez votre adresse mail, ça dépend. Hein. Si vous l'avez créé avec un Gmail, bon, dans ce cas, il va falloir renseigner votre Gmail, iCloud, ou iCloud, Outlook. Moi, j'ai un Outlook, ou Yahoo, ou Hotmail. D'autres, pour moi, c'est ça que j'avais renseigné. Je le rentre comme identifiant. Faites suivant, et puis là, vous rentrez le mot de passe que vous aviez mis pour. Vous identifier auprès des Cisco. Donc moi c'était ça. Je vais mettre ça. Et là vous voyez que je me suis connecté. Là je vais pouvoir vous expliquer ce que c'est un réseau informatique. Ok, Cisco Packet Tracer, on l'avait introduit la dernière fois. On n'avait pas fait grand-chose. Donc là nous allons le manipuler. Au fur et à mesure, je vous ai dit que je vais vous détailler les choses qui sont là, que vous voyez là. Donc, c'est pas compliqué en soi, c'est au fur et à mesure que vous allez comprendre. Un réseau informatique, c'est à partir du moment où vous avez. Bon, moi, je vais, sur Cisco Packet Tracer, je vais aller dans ce secteur-là. Vous voyez là où j'ai cliqué. Et puis, je vais. Ça, ce sont les équipements réseau. Hein. Ok, c'est comme si vous aviez un ordinateur physique avec vous. Puis, mais sauf que c'est des simulations, c'est dans des choses virtuelles. Okay? Un réseau en soi-même, c'est à partir du moment où vous avez des ordinateurs qui sont reliés entre eux. Okay? On va dans le segment câble ici. Vous voyez? Segment câble, j'ai cliqué sur le petit éclair là. Vous avez ce type de câble. Donc pour ces deux équipements-là, on va favoriser un câble droit. Ou voilà, on aurait pu prendre le croisé aussi, mais ça c'est lorsqu'on va aller sur les routeurs et switch. Ok, donc du coup vous voyez que j'ai cliqué sur ce câble là, normalement qui est un câble droit. Donc si je clique dessus, je vais ici, je clique, j'aurai la possibilité de câbler ces équipements. Donc là je vais vous apprendre un peu le réseau et Cisco Packet Tracer en même temps. Ça, c'est le câble console. Si j'aurais voulu le câble console, il n'y a qu'à cliquer dessus. Donc moi, je vais prendre celui-là, le câble droit. Je clique dessus, vous voyez que ça, c'est là. Je vais sur l'équipement, vous voyez que la souris, une sorte de câble qui représente la souris à présent. Je clique sur l'équipement et je le connecte sur le port Fast Ethernet, donc, qui fait référence à le port RJ45 que vous avez sur vos ordinateurs. En physique. Ok, et puis je le relie à ce point-là. C'est un net 0. Ok, à partir de là vous pouvez dire que vous avez un réseau informatique. Ce sont deux équipements qui communiquent entre eux. Donc c'est à partir de là, ces deux équipements-là vont pouvoir communiquer entre eux.
autres. Donc du coup, pour faire la petite histoire, donc là, je vais écrire quelque chose. Je clique sur ces, vous voyez là, place note, dans l'anglais ça, là, je clique là-dessus. Et je clique, si je veux renommer l'équipement, vous allez voir comment faire. Bon, là, je vais juste mettre point, et on passe en majuscule, point A, par exemple. Et puis bon, on va mettre point B. Je passe en majuscule, je mets le B. OK. OK, donc là c'est correct. Je vais désélectionner ça. Pour vous dire ce que c'est un réseau. C'est à partir du moment que vous avez une machine en point à partir du moment où vous avez une machine en point A qui communique à une autre machine en point B. Donc à partir de là, vous avez un réseau informatique. Ok, c'est la chose la plus simple lorsque vous entendez parler d'un réseau informatique. Ok, donc la chose la plus compliquée, on va y aller. Ok, donc ça c'est un réseau. Vous avez des machines qui se communiquent entre elles. Donc, à partir de là, vous avez un réseau. Maintenant, dans ce réseau, vous pouvez ajouter autre chose. OK? Donc, dans le cadre du réseau, on utilise Cisco Packet Tracer en même temps pour ceux qui ne connaissent pas Cisco Packet Tracer. Pour bon, ceux qui connaissent, donc c'est vite fait qu'ils connaissent, c'est pas un souci. Ils vont voir de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc il faut suivre attentivement le tutoriel. Donc vous avez un réseau. Vous avez un réseau. Maintenant, dans ce réseau, on peut décider d'ajouter autre chose, par exemple. Donc dans ce cas, nous, ce qu'on va faire pour vous voyez, lorsque vous voulez supprimer quelque chose, il suffit de cliquer sur sur la croix qui est là. Donc moi je fais yes. Et puis vous avez la souris qui se présente sur cette forme-là. Et vous cliquez sur la chose que vous voulez supprimer. Moi dans ce cas c'est ce câble-là que je vais supprimer. Hop. Je le supprime. Et puis donc je clique ici encore pour passer en mode de souris. Vous voyez. Le curseur échange. Enfin, je rassemble mes machines. Puisqu'il y en aura d'autres. Faut savoir que là, j'ai pris 10 ordinateurs. Donc, si on se place ici, j'ai utilisé avec vous 10 ordinateurs et un câble qui nous a permis de relier ces deux machines-là. Donc, on peut. Là, c'est dans les routeurs. Routeur, c'est ça qui va donner la route. Par exemple, si je prends un routeur, par exemple. Si, c'est. Non. Moi, je vais prendre la 2911, qui est celui-là. Donc, tout ça, ce sont des modèles, des routeurs qu'on pourra utiliser au fur et à mesure. Ok, bon, voilà. Je prends celui-là. Je peux même supprimer. Je clique sur la croix qui est là. Je supprime. Je clique dessus, vous voyez qu'il a disparu. Donc, j'ai supprimé. Je repasse en mode de curseur. Donc, lorsque vous restez sur le routeur comme ça, vous voyez que vous avez trois ports de gigabit Ethernet. Et oui, donc lui, il vous donne des ports en gigabit Ethernet. Donc, vous allez avoir des gigas qui va passer via les ports. Maintenant, vous avez les ports fast Ethernet. Ça, c'est autre chose. On verra tout à l'heure. Donc, vu que j'ai pris ce modèle de routeur, donc lui, il nous a offert trois ports de gigabit. Donc, on va les utiliser. En plus de ça, on va aller là, on est sur le segment routeur, on va aller dans le segment commutateur, dit switch. Ok, vous avez ces modèles de switch. Ces modèles-là, ce sont des modèles du niveau 3.
vous donne la possibilité de router et de jouer le rôle commutateur en même temps. Nous, pour débuter, il vaut mieux débuter sur les étapes. On va commencer avec un switch du niveau 2. Ok, là, on va câbler un réseau un peu plus compliqué, mais pas vraiment compliqué. Mais vous vous rappelez au début, un réseau, c'était uniquement ces deux ordinateurs-là qui étaient reliés entre elles. Donc là, on a rajouté ces deux équipements-là, un routeur et un switch. Le switch, qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre de dupliquer les ports. Il faut savoir que ce routeur-là, vous avez trois ports de surface dessus. C'est-à-dire qu'il va pouvoir alimenter en Internet trois ordinateurs en elle-même. Mais si on veut rajouter plus d'ordinateurs, dans ce cas, on passe via le commutateur qui est là, des switches. Qui, le modèle qu'on a choisi, c'est en 2960 24 TT, ok, qui va nous permettre de relier, par exemple, je prends un câble, parce que c'est des entités différentes, on peut prendre un câble droit, par exemple, on prend le port gigabit 0, on clique là-dessus, on va sur le switch, que lorsque vous cliquez dessus, vous avez tout. Les ports que le switch vous offre, on va le relier en gigabit aussi. Mais on aurait pu le relier en fast Ethernet. Donc vous avez 24 ports fast Ethernet qui vous est attribué sur ce switch. Ok, en même temps, il vous donne aussi deux ports gigabit Ethernet. Sur le routeur, vous avez trois ports. Sur celui-là, vous avez des ports. Deux ports. Ça, c'est le port console. On y arrivera. C'est là qu'on ira sécuriser les équipements, switch et routeur, puisque la chaîne vous propose pas mal d'options dans le secteur de l'informatique, donc dans le secteur du réseau informatique. Donc, nous, on va le câbler sur le gigabit. Gigabit à gigabit, ça va. Là, vous voyez que c'est en rouge. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire que. Il n'y a pas d'activité, c'est éteint. Ok, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Là, on a nos deux ordinateurs. On va les relier en câble droit toujours. Le câble croisé, vous verrez à quel moment il faudra les y. Donc là, j'ai cliqué sur l'ordinateur. Si vous voulez voir ce que je fais, je vais juste. J'ai cliqué sur l'ordinateur. Le port fast Ethernet 0 qu'on a utilisé pour relier ces deux ordinateurs, on va l'utiliser pour le connecter au switch. Puisque les ordinateurs ont un seul port fast Ethernet. Bon, si on y rajoute, ça reste à voir. Je le relie, cet ordinateur-là, je le relie au switch qui est là, au port fast Ethernet 1. Ok, maintenant je vais relier le deuxième ordinateur qui est là en port fast Ethernet 2. Je vais sur le switch, je choisis le port fast Ethernet 2. Je vais sur l'ordinateur puisqu'il a qu'un seul port fast Ethernet. Je le relis là-dessus. Ainsi de suite, nous pourrions rajouter 24 équipements en fast Ethernet sur ce switch. Vous voyez que là on n'a que trois ports. Ce routeur, je vais vous expliquer son rôle tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est sur la base d'un réseau. Là, on a un réseau un peu plus compliqué, un peu plus. Vous vous rappelez au début, on avait ces deux ordinateurs simplement. Là, on a rajouté des équipements de plus. Ok. Puisque on a fait ça, on a, si vous voulez, on peut rajouter d'autres ordinateurs, hein, par exemple, ordinateur ou autre chose, hein, par exemple, là, c'est un serveur, téléphone IP, on aurait pu, TV, autre chose, mais on va rester sur les ordinateurs pour l'instant. Au fur et à mesure, on va voir comment on va
avancé avec Cisco Packet Tracer, puisqu'il y a la VEIP qui est la voie sur IP. IP qui veut dire qu'Internet Protocol, qui va nous permettre de configurer d'autres équipements sur ce schéma. Donc c'est un petit schéma tout simple que je rentre avec vous et puis qu'on va l'améliorer au fur et à mesure. Ok, on était sur la VoIP. La VoIP, c'est la voie sur IP, donc c'est ce qui va nous permettre de brancher par exemple un téléphone IP ici à cet ordinateur. Et puis admettons que là c'est un bureau, on va pouvoir dire que la personne qui est sur cet ordinateur va pouvoir téléphoner via Internet l'autre personne qui est sur cet ordinateur. Admettons que ce sont deux personnes de deux bureaux différents. Donc, on pourra rajouter un poste téléphonique ici, un autre poste téléphonique ici. Ces personnes vont pouvoir téléphoner via l'Internet. Puis ici, figurez-vous, là, c'est le routeur de l'EFI. Donc, dites-vous que c'est Orange ou Bouygues ou SFR ou Free. Ok, donc ça c'est le routeur. C'est ce qui est, ça c'est la, admettons que ça c'est le la box que vous avez chez vous. Bon, la plupart des fournisseurs d'accès Internet vous donnent des équipements, un routeur. Et dans ce routeur, vous avez la possibilité d'avoir un switch aussi. C'est les câbles, c'est les ports face Ethernet que vous voyez derrière votre box que vous avez chez vous. C'est similaire. Donc là, on a construit un réseau. On va pouvoir donner les adresses IP parce qu'il y a tout cela aussi. Vous verrez comment faire par la suite. Suivez les tutoriels.